je l'ai découvert après, c'est les journalistes qui ont donné le surnom que moi je ne savais pas. Et c'est quelqu'un qui a vu ça sur les nets en France, qui m'a envoyé voilà, les titres là, du magazine toujours. Et c'est les journalistes de Boulay, en tout cas, allafrique.com et tout comme ça. Et moi, et puis le nom est resté. C'est relayé, puis c'est resté. Peut-être Mas, pour moi, c'est un black, je fais du jazz. Okay. Et moi, je ne connaissais pas le jazz, je ne suis pas né avec la trompette, pas du tout. Et c'est par chance ou par grâce que je suis trompettiste aujourd'hui. C'était même pas dans mon environnement parce que je. Ma route a été très dure parce que j'ai eu un accident, donc je n'ai pas du tout la respiration. Moi, je suis allé sur mon âme, donc j'ai connu la musique par les répétitions. Voilà. Et j'en jouais. De temps en temps, des fois, j'en joue à fond et après, je sentais des malaises, mais la trompette, ça a été très, très, très difficile. Je n'ai jamais imaginé que je pouvais. De mon souffle, peut-être. J'ai une particularité de jouer, en tout cas chez moi. Et chez moi, c'est pas forcément une capitale de jazz. Si seulement j'ai un pédé pour le jazz, le jour où je faisais la compagnie, je me suis menti. La façon dont tu joues, il y a une musique qui existe qui s'appelle le jazz, moi je pense que c'est pas le jazz. Donc c'est là où en fait j'ai pris la compagnie du jazz et sur quoi je suis tombé pour rester les bandes audio de Miles Davis, son album Milestone. Il a fait ça avec Adley Campbell, avec John Coltrane. Donc alors, et je mettais la bande audio là, et à l'époque, des fois, les decks là ne travaillaient pas de nous, ça valait des fois, et puis tu sors, tu coupes, tu revenais. Donc le son me fascinait, mais je ne pouvais pas jouer à l'époque comme ça. Mais ça m'intéressait tout ce coup. Et c'est bizarre que après, par le, comment on dit, la vie. La vie ou coïncidence, on me nomme Miles Davis parce que c'était la première bande audio que j'avais eue. On m'écoute quand un monsieur m'a dit dans la plupart que je joue. J'ai un truc, il y a une musique qui connaît. Tu vois, c'est aussi. Quelque part, c'est ce monsieur qui a fait peut-être que je suis ici aujourd'hui. Tu sais, mais lui, il a le nez, il ne peut plus jouer ce que moi je vais l'écrire par exemple. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça.